La bande de Caprivi est une queue de poils longue de 450 km et large de 30 km. Elle fut nommée en l'honneur du chancelier allemand Lohn von Caprivi. La bande de Caprivi fut créée lors du traité signé le 1er juillet 1890 entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. La région de Caprivi est irriguée principalement par deux cours d'eau permanents, le Zambèze, formant la frontière avec la Zambie, et l'un de ses affluents, le Chobé, lorsqu'il forme la frontière avec le Botswana. Les animaux y circulent librement à travers les frontières avec le Botswana, dans le parc national de Chobé. On y compte 450 espèces d'animaux, dont les éléphants. La faune sauvage est protégée par plusieurs réserves naturelles. Ce traité permit à la colonie allemande du sud-ouest africain d'accéder au Zambèze et donc au reste de l'Afrique australe et à l'océan Indien. Caprice du fleuve, les rapides et les chutes d'eau, l'instabilité politique n'incitent pas la Namibie pour l'instant à développer de manière commerciale la région. Thank you.
fin du Zimbabwe, du Botswana, de la Namibie et de la Zambie, la bande de Caprivi est restée le lieu de vie d'un nombre important d'ethnies. Dans des villages demeurés traditionnels, les peuples pratiquent l'agriculture, la pêche d'eau douce et parfois l'artisanat. En période de pluie, de janvier à mars, le village est parfois inondé. Seuls les hommes restent au village. Femmes et enfants sont rapatriés sur le plateau. Thank you.
Thank you.